lelo ndanga nankunda na leli mobimba nange présenté babilembo bolamu Yesu wa mimi na leli kimya koma moninga nanga tamisolezo monana te na kongo na zela kina assisté na lapidation nzuka kitema oh surpris Jésus me surpris agréablement surpris Jésus m'a surpris Azaboli moi monté dans la tradition, chez nous, nous sommes les Bashi. Nous sommes des Congolais de l'Est, de la tribu des Bashi, des éleveurs, des montagnards. C'est ça ce que nous sommes. Alors quand on voit des visiteurs entrer, on se demande qui sont-ils et que viennent-ils faire. Voici notre question. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire chez nous là? Alors, comme moi, je vais m'arrêter pour parler parce que je suis pasteur. Oui. Je suis pasteur David. Oui. Je suis confortable hein, dès le début. Nous sommes en tant qu'une famille parce qu'on a vu quelqu'un qui nous intéresse beaucoup. Moi, normalement, quand on me demande, moi je ne suis pas congolais quand même. Oui, je dis aux gens tous, je viens du paradis. Mais quand je suis descendu ici, c'est de la Sierra Leone. So, c'est un pays anglophone. So, vous allez m'excuser avec les lots là, là, moi je ne suis pas confortable avec ça. So, moi je mélange tout le monde. Ça donc, je vais mélanger tout. Mélanger français, anglais. J'essaie de me comprendre la manière. So, il paraît que mon frère m'a appelé, m'a dit parce que mon fils, parce que lui il fait des choses, tu sais, coincé quoi. Un peu caché avec moi. Oui. Ah, mais je vois parfois, il invite quelqu'un, je dis, ah, je dis ok. Daniel, c'est quoi qui. Chose, je vois quelqu'un. Il dit, non, c'est sincère, sincère. Mais c'est après maintenant, mon frère m'a dit, ok, pareil que ton fils, papa, il a vu quelqu'un. So, nous aussi, on est d'accord pour ça, en me disant quelque chose. Il y a quelqu'un qu'on a vu dans cette famille qui nous intéresse beaucoup. So, c'est ça la raison pour laquelle on est là. Mm-hmm. Oui. So, je peux stopper de là d'abord. D'accord. Mm-hmm. Vous avez vu. Oui. Nous avons beaucoup de jeunes filles dans cette famille à l'âge de se marier. Peut-être au moment opportun, vous allez nous dire lequel de nos jeunes filles, il s'agit. Mais lorsque les gens viennent pour cette raison-là, ça veut dire que les parents savent
ce qu'ils doivent faire. En principe, nous sommes des Africains. Il y a ce qu'on appelle la dot. Nous voulons que vous nous ameniez beaucoup de vaches. Beaucoup de vaches. Parce que nous, on est des éleveurs. On boit beaucoup de lait. Vraiment. On se lave avec le lait. C'est vraiment le lait. Donc, donnez-nous seulement des vaches et vous aurez la personne que vous cherchez. Puisque les Daniels, nous on vit avec les lions, n'est-ce pas? Ce sont les lions, non? Oui. On va amener les lions. So, vous avez des vaches? Ok, si on a des vaches. Nous demandons des vaches, des chèvres, des... Ok, vous pouvez nous parler? Oui, pardon. Ok. Et si c'est le Canada, c'est pas facile de trouver le vache comme ça. Ou bien, sinon on allait chercher le vache. Mais ici c'est le Canada, on peut trouver ça seulement à Superstore ou bien à Walmart. Si c'est ça, on peut aller. Si c'est ça, oui, on peut aller. Mais on est venu seulement dans l'esprit quoi, et physiquement aussi. C'est bon. C'est très très bon. Alors, je ne sais pas. Mais il y a des fermes ici, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu as déjà été dans une ferme. Oh, très bien. Tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a là-bas? J'ai été là-bas il y a à peu près une semaine. Mm-hmm. Et j'ai vraiment trouvé une meilleure vache grosse. Oh. La vache que tu peux donner vraiment à ton frère, à ton ami. Et il sera aussi vraiment content et dire que vraiment j'ai un ami qui m'a donné une vache. Là, j'ai trouvé c'était à 2000. 2000 dollars canadiens. C'est ça la valeur de la vache. Oui, j'étais là-bas la fois passée. Tu peux même demander par quoi, mais souvent on ne part pas ensemble pour. Hein? Pour acheter la viande. Ouais. C'est donc c'est pas que... de la blague. C'est là que nous irons acheter nos vaches. Donc il y a moyen de trouver du vache ici. Amenez-nous même 20 vaches. Si vous avez 20 vaches, donnez-nous. Comme ça, nous allons continuer l'élevage. Nous sommes des montagnards. Okay. Allez-vous nous donner 20 vaches? Merci beaucoup. On vous a écouté. L'histoire est que l'enfant est venu pendant les vacances à la maison. Donc c'est là-bas maintenant qu'il a commencé son problème. C'est un problème qu'il a commencé depuis longtemps. Et après, nous avons décidé en famille que nous ne pouvons pas rester comme ça avec un enfant d'autrui sans que la famille ne nous connaisse, sans que nous aussi nous ne connaissions pas la famille. C'est des enfants qui sont élevés dans le Seigneur, ils connaissent très bien Dieu. Alors moi j'ai dit bon, en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, donc moi je ne voudrais pas que vous arriviez à un mal, parce que ça ne va pas honorer la famille, ça ne va pas honorer le travail de Dieu que nous faisons. C'est ainsi que nous avons décidé que qu'on vienne vous saluer d'abord, qu'on vienne faire la connaissance. Parce que votre fille, elle a rencontré ma femme, je crois, à deux reprises. Elle est venue ici. Mais moi, je ne l'ai jamais vue. J'entends seulement et je vois parfois les photos. Mais je ne l'ai pas encore. C'est là que nous avons décidé qu'il faut qu'on puisse entrer par la grande porte.
parce que c'est comme ça, ça s'est fait. Vous vous êtes présenté tout à l'heure, vous êtes des bâches. J'ai assisté à beaucoup de mariages, à beaucoup de cérémonies de bâches. La plupart des bâches, avant, pouvaient user beaucoup d'amis. Tout à fait. C'est pourquoi quand on m'a cité même les noms, déjà de Mouloume, oui. Le nom de Oderwa, oui. Je connais déjà. J'ai des personnes là-bas qui répondent à ce nom. Okay. Alors, donc, je crois que vous avez les mêmes coutumes ou bien les mêmes habitudes que chez nous. Nous, nous sommes de Mouba. Nous sommes du Kasaï oriental. Aruba. Alors, chez nous, quand vous aimez une fille dans une famille, la première des choses, c'est d'aller se présenter officiellement. Donc, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Pour que vous sachiez que, quelque part, il y a une famille qui s'intéresse à notre fille. Que ça ne soit pas par des coups de fil, que ça ne soit pas par des écritures non plus. Il fallait venir sur place en tant que père. Pour venir sur place pour que la famille puisse nous voir, pour que la famille puisse voir que c'est du sérieux, que ce n'est pas une aventure. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés dans cette maison aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes les bienvenus. Merci. Chez nous, c'était vous deux. Nous vous accueillons. Mais on ne pouvait pas ne pas vous dire ça parce que aussi, chez nous, nous savons que Ndi n'est pas. Qu'est-ce qu'on dit? C'est dans ma langue maternelle que je peux bien le dire. Ça veut dire là où vous pointez du doigt, ça finit par être une maison. C'est comme ça que ça se parle. En magie. Je peux le dire en magie. Aholulu Luranga, Nyumpe Hazinda. Ça veut dire là où tu construiras une maison, tu commences par pointer le doigt. Et tu dis ici, ça vaut la peine. Au fin de fin, une maison est construite et reconstruite. Et nous savons aussi que les relations entre deux familles se créent à travers les relations des enfants. Et quand les enfants rentrent ensemble, ça provoque des relations entre les parents et ça va jusqu'au niveau des deux familles ou même des deux clans, des deux sociétés. Ça signifie en d'autres termes que vous devez vous y attendre. Si ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parlera, je ne sais pas. Mais vous devez vous y attendre que l'enfant a provoqué une relation et cette relation devra être entretenue et devra respecter les règles, les coutumes, tout ce que vous savez là. C'est pourquoi nous avons dit, nous sommes des bâches, nous sommes des montagnards, des éleveurs, nous on aime les vaches. Et dans notre tradition, si un garçon vient chez moi, j'ai une fille, c'est que ce garçon doit avoir déjà élevé quelques vaches qu'il va remettre à la belle famille un jour et qu'il aura droit de vivre avec sa bien-aimée. Voilà un peu la raison pour laquelle nous avons dit ça. J'espère que vous n'êtes pas frustrés. J'espère que vous n'êtes pas frustrés. C'est tout ce qui compte. Si c'est une question de bonjour, comment ça va bien? D'accord? Donc, c'est
Daniel est notre premier garçon. Après lui, vient celui-ci, Jonathan, et Joshua. Donc c'est eux qui sont ici, ils sont de nouveau étudiés. D'accord. Voilà. Donc je vous ai dit qu'ils ont leur papa ici. Que voici. Le monsieur qui vient du ciel. Oui. Ah, vous avez raison, mon frère. C'est ça, on s'est dit, mais lorsque le baobab lui-même se déplace, il y a lieu de croire que absolument il y a de bonnes choses qui doivent se dire. Et pourquoi on attend que vous allez jusqu'au bout de votre discours? Okay. Merci beaucoup. Chez nous, quand on vient faire une présentation officielle, comme nous sommes venus, on ne vient pas main vide. Donc, on vient avec la boisson que vous venez de recevoir. Et nous avons aussi une petite enveloppe que nous déposons pour montrer que nous sommes intéressés quelque part. Donc, maintenant, c'est après ça, c'est vous qui nous donnerez maintenant la situation, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour arriver maintenant au mariage. Donc, je crois que c'est la seule chose que nous sommes venus faire. Donc, je pouvais parfois déléguer mon frère qui est avec eux ici, venir ici, mais moi je me suis dit que non. Il faut que moi-même et la maman de Daniel, que nous soyons là. Et pour faire voir que c'est du sérieux. Et puis, dans la délégation qui est venue de Vancouver, je suis venu aussi avec ses sœurs, pour qu'elle soit aussi là présente, pour qu'elle puisse aussi voir la situation. Parce que vous savez, dans les familles, c'est toujours les sœurs qui ont toujours des problèmes avec les épouses de leurs grands frères. Donc, alors, c'est pourquoi je les ai amenés, parce que c'est les deux là qui sont grands. Donc, les deux qui sont restés, c'est des jumelles, ils ont encore 9 ans. Donc, avant que nous puissions venir ici, elles ont donné déjà le témoignage, parce que celle-là connaît déjà la préposée depuis longtemps, parce qu'elle vient souvent ici. Voilà. Donc, je crois que c'est ça la marche que nous avons fait aujourd'hui, pour que vous puissiez nous voir, que nous aussi nous puissions vous voir. Mais en venant, chez nous, on ne vient pas même vite. On doit faire un symbole. C'est on comprend. Il existe plusieurs démarches, plusieurs façons. Et il n'y a pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tout est bien. Il y en a qui combinent beaucoup d'étapes à la fois. Et il y en a qui dispersent les étapes et disent on commence par 1, 2, 3, 4, 5. Je dois peut-être reconnaître que je ne savais pas que c'était seulement cette visite-là. Et que moi, je pensais qu'on allait en profiter
parce que vous habitez trop loin. Et comme vous êtes vous-même présent, vous allez se mettre d'accord sur quelque chose. C'est une bonne idée. Pas nécessairement ce que j'ai commencé par dire. C'est pourquoi je dis ne soyez pas frustrés. On devait se mettre d'accord sur quelque chose. Et puis après, partager les repas, on se connaît, on se sait. Mais cette approche que vous avez, c'est une autre approche connue. Et peut-être que c'est comme ça que nous allons cheminer. Je vous ai dit quelque chose. Est-ce qu'il est en train de parler parce que l'autre ne la comprend pas le français. C'est en train d'interpréter. Si vous le voyez parler, c'est lui. Parce que l'autre là, oui, c'est ça. Il ne comprend pas le français. Non, c'est bien, c'est peut interpréter. Ok. You cannot know to talk about this in English. No, it's very hard. They are trying in French. You're trying in French? Yeah. Mention of the party. Voilà. C'est parce que vous étiez déjà calme, on a dit, il n'a plus rien dit. Donc, il faut comprendre donc, ce que j'étais à l'écoute. J'étais à l'écoute d'autres personnes. Ah, je sais qu'il avait donné un peu mon silence. D'accord. Voilà. Donc, je voulais vous demander ceci. Vous l'avez bien souligné tout à l'heure. Vous dites que nous venons de très loin. On ne pourra pas faire toujours des va-et-vient. C'est là où je voulais arriver. Donc, je suis d'accord avec votre pensée. Parce que je crois que, après cette présentation, oui. Ce que vous avez à dire, vous pouvez nous dire et puis on va en parler ensemble. Ce n'est pas un problème. Ouais. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il y a des différentes approches. Il y a des approches qui mettent tout ensemble. Et il y a des approches. Oui, qui comme maintenant là, c'est ça l'approche même. De mettre tout ensemble. C'était ça, vous savez. C'est une chance pour nous autres que de vous voir personnellement d'être ici. Alors vous voulez profiter de cette occasion-là pour peut-être browser, dire tout. Et bon. Et d'autres étapes. Des formalités pourraient suivre plus tard. Non, il n'y a pas de problème, nous sommes disponibles. D'accord. Nous, on pensait que tout s'arrête à ça, et donc on voulait savoir maintenant quelles étapes pourraient suivre. Par exemple, nous sommes prêts à recevoir l'enveloppe, vous avez dit que vous n'avez jamais vu suivre. Si on ne le dit pas aujourd'hui, quand est-ce qu'on le dira, notamment la question de d'autres choses. Si on ne parle pas aujourd'hui, quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait en parler? C'était ça, juste la question que, en fait, je ramène de ma consultation près des autres. Mais vous semblez dire que on ne va plus faire de délai. On va tout dire aujourd'hui. Oui, parce que Ça va nous donner aussi le temps aussi de se préparer parce que vous connaissez, nous sommes tous le pays des Blancs. Donc tout se prépare. Donc, et vouloir. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas. La parole de Dieu même nous interdit ça. Que nous ne devons pas avoir la procrastination dans la vie. C'est-à-dire, les choses que vous pouvez faire aujourd'hui, vous êtes capable de le faire aujourd'hui, vous ramener à demain. Moi, je n'aime pas ça. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on le fait. Maintenant, demain, c'est une autre étape. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, le motif de notre venue. C'était ça ce que j'ai expliqué. Et maintenant, après ça, on peut parler maintenant ce qu'on peut dire. Nous sommes dispos. Tout à fait. Eh bon. Ça s'appelle une discussion chez nous. Oui. Je ne sais pas si ça s'appelle aussi une discussion chez nous. Exactement. Parce que si nous l'appelons une discussion, ça veut dire qu'on commence quelque part, on finit quelque part.
C'est pourquoi au départ j'ai dit, donnez-nous beaucoup de vaches, donnez-nous même 20 vaches, on sera très heureux et on aura beaucoup de lait. C'est par là que moi je compte. Et c'est votre feedback qui va nous conditionner. Non, il n'y a pas de problème. On ne peut pas en discuter. Nous pouvons faire cette discussion ensemble. Oui. On a commencé quelque part. Ce binôme verra vers quelque autre part. Dites-nous ce que vous avez. En termes de vaches, c'est ça ce que nous on demande. Mais déjà, vous avez. Moi, je pense que. Je pense que c'est le berger. Ouais. Vous êtes berger? Oui. Voilà. Donc, vous vivez à la montagne? Oui, villageois à la montagne. Voilà. Donc, c'est ça, nous. Donc, c'est vous qui allez nous dire ce que vous pensez. Normalement, la dot chez nous, quand ça se parle comme ça, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la dot proprement dite. C'est ça ce que nous allons fixer en termes de vaches. Et les vaches, normalement, s'accompagnent par des chèvres. Bon, il y a aussi l'autre partie qui est d'autres valeurs dotales. Nous les appelons des valeurs totales. Ça veut dire habiller le papa, habiller la maman et il y a quelque chose qu'on prévoit pour la tante, des choses comme ça. Donc ces parties-là, souvent on discute seulement la dot, hein. le corps, hein. La dot, les vaches qui seront accompagnés par des chèvres. Mais ça va de soi que chaque vache sera accompagnée par une chèvre et papa sera habillé, maman sera habillée, ainsi de suite. Et la tante aussi. Ça veut dire habiller papa, ça veut dire ce que son beau-fils voudrait voir un jour son beau-père porter. Comme je suis là, peut-être que dit bon, j'achète pour mon beau-père ça, tout ça. Et un jour, il veut voir son beau-père paraître comme ça. J'achète pour ma belle-mère ça. Et un jour, il veut voir sa belle-mère paraître comme ça. Ça, ce sont des valeurs de taille, normalement, qui sont subsidiaires à ce que nous appelons la dot. On ne discute pas ça, mais on discute ça. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne discute pas ça, c'est valeur totale, c'est make-up, mais on discute c'est le noyau là. Et c'est ça ce qui compte pour aujourd'hui. Okay. Je vous en prie. Okay. Ce que je ne comprends pas, c'est que qui doit habiller la maman, le papa et puis la tante? Non, le bon fils habille son beau-père et sa belle-mère. C'est obligatoire. Oui, c'est la culture. Ça veut dire c'est lui qui va. C'est lui-même qui va au magasin. Il dit c'est ça ce qui convient pour mon beau-père. C'est ça ce qui convient pour ma belle-mère. C'est tout. On ne lui demande même pas quelle qualité, quoi. C'est lui qui dit ce que je fais. C'est pourquoi on ne discute pas de ça. Mais on discute du noyau là, en termes de vaches, et c'est ça ce qu'on peut parler ici. Parce que quand je dis 20 vaches, et vous dites Alléluia, Amen, nous tous on va dire Amen. Amen. Et vous allez me voir demander à tout le monde ici d'applaudir. Oui. Mais si vous dites non, c'est trop peu, je vais donner 30, on va encore applaudir d'abord. Ah. Parce qu'il vient demander ça, il vient dire qu'est-ce qu'on peut négocier. C'est pour pas ça s'appelle une discussion. Parce que on est aussi, non? Mais ça s'appelle une discussion. Parce que sinon,
Avec la vache, il y a des viandes, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut aller à Superstore? Non. Et paye ça. Ça, c'est vache aussi? C'est vache. C'est vache. Il faut payer ça à Superstore. Et si c'est au Canada? Non, non, c'est comme ça. Mais le frère a dit que lui, c'est là où ça se trouve bien. Souvent, il y a des fermes là-haut. Oui. On n'a pas le droit d'aller perdre là-bas au Soupassor. Soit c'est cher. Mon frère, c'est que le Soupassor, il y a des rangées là-bas. Il faut avoir le masque. Ça prend beaucoup de temps. Effectivement. Mais, ok. Ce que je vous propose, est-ce qu'on peut avancer et maintenant, affaire des vaches, tout ça, on négocie ça quand on va revenir maintenant pour faire. Parce que, comme mon frère a dit, c'est mieux de. Comptez la situation comme vous êtes dans la famille là parce que c'est beaucoup d'argent pour ici aller rituel. Oui. So, parce que puisque lui il insiste surtout le côté des vaches. So, moi je veux qu'on négocie ça. Je veux qu'on parle de ça pour affaire des vaches là. Confirmez avec ça. C'est ce qu'il a dit. Je veux poser une question. Alors les vaches, vous avez besoin d'argent comme le prix. Des vaches ou vous avez besoin de vaches comme des animaux? Non, non, ça veut dire ceci. Vous savez, il y a toujours comme nous sommes ici, vous pouvez donner la valeur monétaire. C'est comme ça que ça se passe. On a déjà organisé beaucoup de choses dans ce sens-là. Et moi, j'ai amené un jour une enveloppe pleine de vaches, une enveloppe pleine de vaches, voyez, voyez la contradiction là. Vous comprenez maintenant que les vaches peuvent rentrer dans l'enveloppe. Ok, alors si vous avez de 20 vaches et qu'on dit qu'on n'est pas prêt à donner l'argent, on est prêt à acheter des vaches et amener des vaches, vous avez qu'à avec ça. La police va venir ici. Je crois que on doit quand même avancer. Pasteur, vous représentez l'enveloppe. Ok. Mon frère. Puisque vous êtes la porte-parole, pour le moment, c'est ça on a. Pour le moment, ça, c'est ça notre vache pour le moment. Ça, c'est la vache du moment. Il y a vache du moment et il y a vache de. Qui va venir. Ça, c'est vache pour le moment. Quoi. Ça, c'est un gift que vous ramenez. Oui. Parce qu'il faut bien l'appeler par son nom. Oh, c'est pas vache. C'est pas la vache. Oh, ok. Ça, c'est vite. Ça, c'est première vache. Ça, c'est la vache de présentation. Papa nous a dit. Ok. Normalement, on est venu vous voir. Oh. Et on est venu avec un cadeau. Nous sommes prêts à recevoir ce cadeau. Et nous disons merci beaucoup pour ce cadeau que vous amenez. Et ça, ça ne se compte pas dans la. Oui. Ça c'est très important. Mais ça c'est la clé. Ça ne se compte pas. Ça se compte même pas. Ça c'est même pas pris. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Peut-être que c'est $50, peut-être que c'est $2. Nous on prend seulement et on dit merci beaucoup. Comme cadeau. Amen. Amen. Alors, je vais. Remettre le cadeau à. Est-ce que tu peux remettre de vous? Je voudrais remettre ça à Kassigondi qui reçoit l'enveloppe. Vous voyez que je n'ai même pas ouvert parce que je ne veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans. C'est juste un cadeau que vous donnez. Ce n'est pas encore ça là-dedans. Vous voulez vous asseoir ou vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais dire seulement merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on a maintenant, il y a deux préoccupations qui restent. La deuxième préoccupation, c'est on discute un peu sur la dot et puis après, on vous montre. Vous avez dit que vous ne l'avez jamais vu? Oui, moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais vous n'avez pas besoin de la voir. On peut juste
celle qui m'a fait déplacer de c'est vrai ça. Ah, là-bas. C'est intéressant. Si vous voulez, on discute d'abord et puis après on clôture avec ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre la parole et nous dire ce que vous pensez de... Bon, ce que moi je pensais, c'est que je voudrais que la famille nous dise combien de vaches nous allons donner. C'est à ce moment-là que nous allons regarder notre possibilité pour vous dire que voilà, nous, pour nous, nous avons autant de vaches à vous donner. Mais nous, on ne peut pas dire comme ça nous-mêmes. Bon, je ne sais pas, parce que même chez nous, les loubas, c'est comme ça. C'est la famille de la femme qui se prononce. Et à ce moment-là, l'autre famille réplique. Chez nous aussi, il y a la discussion. Je pense que Olivier a dit... Il voulait assez, si c'est possible, d'avoir 20 vaches. 20. C'est à vous la parole maintenant de dire si vous êtes capable de donner ces 20 vaches, ou bien plus de 20. Là, on va maintenant applaudir. Au moins de ça. Oui. Il y a aussi possibilité de ne pas avoir tout, avoir moins. Oui. C'est ça. C'est la raison pour laquelle on dit discussion. C'est ça. On discute. Il y a une chose que j'ai appris, je ne sais pas si c'est la même chose avec les Congolais, quoi, parce que un jour, je suis assisté à une chose, quelque chose pour les Soudanais. Quoi. Et dans la discussion, tu peux payer la dot jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans. Je ne sais pas si je vous c'est ça. Oui, chez nous, dans notre tribu, chez nous, les Loubars, on dit que. La dot ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Bon. Parce que vous pouvez doter aujourd'hui, mais s'il y a un problème dans la belle famille, vous êtes obligé d'assister. C'est ce qui veut dire que la dot ne finit pas. Donc, c'est bon. Oui, vous avez une dernière. Pour ce faire, qu'on procède comment? Chez les Loubas, lorsque la dot ne finit pas, on procède comment? Parce que moi, je me rappelle, on a épousé ma fille. Et pour que, c'est à Kampala, pour que Mama House, c'est une maison de l'état civil, pour qu'ils acceptent de planifier, de donner. Certificat de mariage, ouais. Ils ont demandé si j'ai reçu la dot. Hein? Comprenez? Alors j'ai dû écrire sur cette lettre-là, moi, Émile Namouira, j'atteste par la présente que j'ai reçu la dot qui équivaut à autant. J'ai signé et j'ai remis. Mama House a pris la note et a certifié le mariage et ma fille a été mariée. Ça veut dire quoi? Quand bien même on dit que la dot ne finit pas, il y a un montant minimum que l'on donne. Et ce montant que l'on donne, ça scelle le mariage civil ou le mariage religieux, qui permet aussi à l'état civil de sceller le mariage civil et qui permet aussi à l'Église de sceller le mariage religieux. Parce qu'il y a trois niveaux. Le niveau traditionnel, coutumier, c'est celui-ci. Le niveau civil de l'État et l'Église. Alors, nous sommes encore à la première instance où nous voulons convenir sur un montant. Je connais un monsieur qui avait dit que non, moi, je n'ai rien. Et son beau-père a dit, bon, est-ce que tu ne peux même pas avoir une veste? Amène-moi une veste. Et ce monsieur a amené une seule veste
et on a serré le mariage. Mais ça dépend de personne à une autre. Ce soir, si vous voulez, vous pouvez nous dire ce que vous vous prévoyez, à nous de les accepter ou de les refuser. Ou ce que vous pouvez avoir. Où en êtes-vous, où sont vos muscles? Ça arrive jusqu'où? Alors, ce n'est pas un problème. Nous allons nous mettre d'accord sur ce que vous êtes capable de donner comme dot et tout va bien se passer. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec vous. Merci beaucoup, c'est bien dit. Et moi, je retourne vers la maman de Daniel. Ou bien son frère. Il a préparé combien de votes. Son frère, tu veux proposer? Ok. Ouais, 5 vaches. Donc je crois que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Parce que c'est ce que moi je voulais dire. Papa, il vient vous demander de l'acheter plus. Non, non. Il veut prendre la vache. C'est vrai, il a dit 5 vaches, mais est-ce qu'on peut se connaître à combien une vache? Il m'a dit c'est 2000. Il dit qu'une vache, c'est 2000. Donc les vaches sont chères ici à Winnipeg. On peut acheter ça des Congo, quoi, le prix de le pays. Ah, on va acheter à Bukavu. Oui, le pays. C'est très cher si vous apportez ça. C'est un avion. Non, camion, quoi, en fait. Voilà, vous coûtez cher. Non, on donne le prix de là-bas. Le prix de là-bas, c'est ça. C'est vous à la mer, parce que je pense qu'on doit. Nous sommes vraiment très honorés d'être dans votre maison aujourd'hui et nous reconnaissons la valeur de la fleur que nous venons chercher. Nous voulons juste que vous ayez une marge de vais appeler ça de flexibilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces vaches-là au prix des vaches qui sont vendues en Afrique? Vous allez les ramener ici comment? On va trouver un moyen. On va trouver un moyen de transport. Mais Amazon, oui. Combien ça coûte là? On va trouver. Non, on va négocier ça avec Amazon. Ça, c'est Amazon. Combien ça coûte là? Papa, parce que. Combien là? Ça coûte là? Parce que, papa, la réalité est que c'est vrai, nous sommes tous Africains. Et on connaît que la culture est très importante. Et ce que nous sommes en train de faire est très important. Mais on doit aussi tenir compte du fait que mon frère est en train de débuter une vie. Et il va la débuter avec votre fille. Et ce serait très important que vous pensiez aussi à eux dans le cadre de commencer leur future relation de mariage ou leur vie. Donc si vous mettez la barre très haute pour eux, ce serait aussi très difficile dans le futur. C'est vrai, vous l'avez élevée, elle a grandi aujourd'hui, elle a fréquenté. Mais nous vous demandons vraiment de grâce d'être un peu flexible aux côtés du prix de la vache. C'est pourquoi j'ai dit, vous voulez acheter ça au Congo, ça coûte combien? On peut toujours demander. Est-ce que, parce que nous sommes en train de discuter maintenant. Vous allez demander maintenant? Bon, normalement, pourquoi est-ce que je venais à ce côté-là? Plus vous avez dit, vous connaissez mieux les vaches là-bas, c'est vous qui les élevez. Peut-être que vous pouvez nous donner le prix de la vache selon parce que là, vous nous avez donné le prix de la vache selon le Canada.
de ce papa là. Lui, papa là a dit, il est allé à la il est allé à la ferme et la vache qu'il a vue là-bas, et je sais, les vaches ici, et juste pour être un peu drôle, les vaches ici n'ont pas le goût de nos vaches en Afrique. Nous, on veut vous donner ce qui est bon. Donc c'est pour ça que nous on veut rentrer en Afrique pour prendre ces bonnes vaches là, celles qui ont la bonne viande. Parce que la viande, non, soyons sérieux, la viande ici. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Yeah, la viande ici. Et l'affaire de transport, ça dépend de nous. Le transport ça, des vaches, nous on va s'occuper de ça. On va négocier avec Amazon. Même si la vache coûte $1000 là-bas. Transporter encore cette vache jusqu'ici, ça sera. Nous-mêmes, on va s'occuper de ça. On va s'occuper de ça. Ça sera encore. Ça, c'est à nous. Non, ça, c'est dans notre poche. Vous comprenez? On va négocier avec Amazon. On va faire des contrats. Est-ce qu'il y a un app pour ça, quoi? Les... Il y a des gens partout. Pour voir le prix des vaches au Congo. Nous-mêmes, on va se battre pour le transport et tout le reste. Si. Non, mais si vous nous dites combien vous pensez que la vache peut coûter là-bas, nous pouvons vous dire. Donner la réponse par rapport à votre. Bon, c'est pourquoi je dis on se retourne vers vous. Vous connaissez mieux les vaches, les prix des vaches. Donc là, c'est $1000. Ok. Ici, c'est 2000, mais là-bas, chez nous, c'est $1000. Une bonne vache bien produite là, qui peut produire du lait. Hein? Et puis c'est nous là, on utilise le dollar. C'est ça. Donnez-nous alors 12 vaches en dollars américains chez nous. On peut se comprendre. Comme ça, ça va vite. Papa, c'est un peu comme je vous ai dit. Mon frère essaie de débuter sa vie. Mais tu ne comprenez pas que nous avons. Et 12, c'est quand même $12,000 américains, c'est presque un $15,000 canadien. Donc, c'est presque la même chose. Yeah, donc, vraiment de grâce, papa, soyez nous. Bon. Nous. Je m'excuse. Vous savez, le mariage. C'est la première institution de Dieu. Donc, je crois que vous nous avez demandé 20 vaches. Et je voulais parler, mais mon fils a donné un chiffre. Et j'ai témoigné que c'est le Saint-Esprit, parce que c'est ça ce que j'ai pensé aussi vous dire. Alors, je crois que au lieu de que nous puissions vraiment nous balancer, aller au Congo, chercher le transport pour transporter la vache au Congo, bon, je préfère que c'est à vous d'abord de nous répondre du montant que. J'ai répondu. 12. 12 vaches. J'ai répondu. Ça, c'est vache canadienne. Parce que je suis descendu de 20 à 12, j'ai dit, quand même, on a un truc de choquer. Il faut descendre 20 à 12. Je crois que c'est bon là. Non, mais. Et je sais que vous ne pouvez pas. Hein? Tel que je vous vois, je vous respecte. Je vois. Famille, moi, j'ai un grand respect pour vous. Un grand respect. Moi aussi, je l'ai beaucoup. Vous voyez que j'ai payé les billets d'avion. Des gens aller-retour venir ici, c'est parce que il y a une semence pour moi. C'est pas pour rien. Vous savez qu'il y a des parents, il peut dire à son fils que non, moi l'affaire là ça ne me concerne pas. Mais comme j'ai confiance en mon fils,
j'ai confiance à ce qu'il me dit. Il me respecte, je dois lui respecter aussi. C'est pourquoi je lui ai dit que donc, moi, je ne peux pas faire une délégation. Je descends moi-même. Et je suis là. Alors, tellement que j'ai envie de prendre la fille là, dans ma maison. Bon, je ne veux pas beaucoup de discussions. Mais je vous demande tout simplement de me laisser à 8 vaches. J'ai besoin d'ajouter 3, c'est beaucoup. Non, si on a diminué 8, c'est pas peu. Non, ce n'est pas peu. On a dit que la dot est finie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que nous pouvons nous faire aussi en dehors de ça, il y en a beaucoup.